Elle s'appelle Mulikatu Isiaku, animatrice rurale de l'ONG Solidev. Depuis près de 2 mois, elle parcourt les villages de la commune de Savé pour informer et sensibiliser les femmes sur la COVID-19, les maladies non transmissibles et les violences basées sur le genre. Aujourd'hui, elle est avec les femmes du quartier Igboué dans l'arrondissement d'Adido à Savé. Je remercie Solidev. Je remercie Annabelle aussi. C'est le programme qu'ils ont amené à Savé. Puisque la violence basée sur le genre existait avant. Et c'était Dieu même. Si je prends mon exemple, mon papa m'a forcé pour se marier. Et aujourd'hui, comme Solidev a amené la sensibilisation à notre niveau, c'est ça qui nous a amené à savoir que si un mari te menace comme ça, là, tu dois chercher le CPS pour lui suggérer ton problème. Et avant là, si le mari te menace, tu n'as personne à qui suggérer ton problème. Nous sommes ici dans le village de Sogudo, situé dans la commune de Wessé. Les femmes sont regroupées pour apprendre comment réaliser un dispositif tippy-top et pouvoir se laver convenablement les mains afin de se protéger du coronavirus. Dame Antoinette profite pour porter un message à ce ménage sur les maladies non transmissibles, à savoir l'hypertension artérielle et le diabète sucré. Elle n'oublie pas de donner aux femmes et aux filles présentes quelques conseils d'orientation et de mesures de prévention contre les violences basées sur le genre. Le chef du village, très impliqué dans ce processus et membre de la brigade communautaire, se réjouit de cette initiative qu'il souhaite pérenne. Face à la menace d'un impact dévastateur de la COVID-19 au Bénin, le projet Équité, financé par l'Agence française de développement et mis en œuvre par Annabelle au Bénin, a décidé d'accompagner le gouvernement dans sa riposte. Objectif: permettre aux ménages en général et particulièrement aux couches vulnérables d'avoir accès à l'information pertinente et aux dispositifs adéquats de prévention dans le cadre de la pandémie et prendre en compte l'impact différencié de l'épidémie sur les femmes et les filles. Pour y parvenir, 3 organisations non gouvernementales, à savoir Solidarité et Développement Solidev, Jeunesse Action Environnementale JAE et Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne MRJC ont contracté avec Équité pour organiser et réaliser des actions de mobilisation et de sensibilisation communautaire dans le département des Collines. Les animateurs de ces ONG sillonnent depuis le 2 février et ceci jusqu'au 30 avril 2021 les 6 communes du département des Collines pour informer et sensibiliser les communautés sur la COVID-19, mais également les moyens de prévention des violences basées sur le genre. Nos agents qui sont sur le terrain doivent aller dans les ménages sensibiliser les gens. Les ménages pauvres sont nos cibles prioritaires.
qu'on puisse impacter un minimum de 20% de la population de nos deux communes. Donc, ce qui nous fait un total de 7930 personnes que nous devons impacter réellement pendant 4 mois. Au total, 2200 affiches A3 ont été réalisées et distribuées. 4440 dispositifs Tipitap sont installés uniquement dans les ménages vulnérables et les ménages situés dans les villages les plus reculés. 150 dispositifs de lavage de mains à raison de 25 par commune sont remis aux autorités locales de chaque commune qui se chargeront de les distribuer selon les besoins des communes, de préférence dans les écoles et dans les marchés publics. 30 000 pains de savon sont distribués aux ménages vulnérables dans les villages. 45 000 masques sont fabriqués localement et distribués à 7 500 ménages répartis dans les 6 communes du département. Il faut noter qu'une stratégie de communication a été élaborée et mise en œuvre pour accompagner ces actions de mobilisation communautaire dans le département. Elle a permis d'informer et de sensibiliser les communautés du département des Collines sur les comportements à adopter afin de se protéger contre la COVID-19 et de prévenir sa propagation, de contribuer au renforcement de l'engagement des communautés dans la réponse concertée à la COVID-19 et au risque accru des violences basées sur le genre, de concevoir, produire et diffuser des spots et sketchs audiovisuels. Les émissions INABEL nous ont permis d'inculquer dans la pensée des populations qu'il est essentiel que chacun et chaque membre de la famille doit prendre en compte ses prérogatives et agir en tant que tel pour pouvoir semer autour de soi un certain nombre de joies. Les émissions INABEL ont permis aux hommes de baisser la garde, de comprendre que les femmes aujourd'hui, elles sont nos seuls soutiens. Sans les femmes, les hommes ne pourront rien. Et c'est au cours de ces émissions, de notre partenariat avec INABEL, que nous avons eu l'opportunité de faire des émissions interactives, des émissions participatives des populations où elles interviennent. Certaines personnes nous disent non, mais on ne sait pas, cette maladie, c'est la maladie des Blancs, ce n'est pas chez nous. Mais avec les spécialistes, les personnes aux ressources mises à disposition, et cela nous a permis de toucher la fibre sensible des populations. Aujourd'hui, elles sont plus que sûres que la maladie est réelle et qu'il faut s'en prendre. Ainsi, 120 émissions interactives de 30 minutes à raison de 2 émissions par semaine, 15 jeux radiophoniques, 540 spots radiophoniques et 12 spots audiovisuels sur la prévention de la COVID-19 et les violences basées sur le genre ont été diffusés sur la télévision nationale OETB et 6 radios communautaires du département des Collines. Ces émissions sont animées par des responsables des centres de promotion sociale, CPS, pour ce qui concerne les thématiques des violences basées sur le genre et par les chargés de recherche action mobilisation sociale, CERAMS, pour aborder les questions relatives à la COVID-19. Des activités préventives, parce qu'avant de punir, avant de dénoncer, il est vraiment souhaitable que nous portions l'information à la population. Parce que les gens le font aussi, par ignorance. Équité nous aide beaucoup, il est venu pour nous appuyer. J'ai fait des émissions à la radio ILEMA. J'ai pu réaliser 4 émissions déjà. Peuplé d'environ 1 million d'habitants avec 51% de femmes, le département des Collines au Bénin compte près de 172 000 ménages, dont un quart sont dirigés par des femmes.
Ici, les violences basées sur le genre prévalent dans toutes les localités du département. La prise en charge des personnes affectées demeure limitée et d'une manière générale, on note une absence de réponse structurée. Seuls les centres de promotion sociale fournissent une assistance psychosociale avec l'appui des ONG locales. Selon les résultats des enquêtes nationales STEPS 2015, la prévalence dans ce département de l'hypertension artérielle et du diabète sucré serait respectivement de 29,7% et de 16%. Malheureusement, plus de 3/4 des individus dans le département des Collines n'ont jamais contrôlé leur tension artérielle et 95% sont des personnes vivant avec le diabète qui s'ignorent. À ce tableau social et sanitaire préoccupant, s'est ajoutée l'épidémie de la COVID-19 qui n'a épargné aucun département du pays. Depuis mars 2020, le Bénin a enregistré 6501 cas et 81 décès. Dans le cadre de l'initiative COVID-19 Santé en commun, lancée en avril 2020, l'Agence française de développement AFD a décidé d'octroyer un financement de 2 milliards de francs CFA pour soutenir le Bénin dans sa lutte contre la pandémie. Mise en œuvre par l'agence de coopération belge Enabel, ce financement apporte un soutien immédiat au plan de riposte du gouvernement béninois. Soutien qui se concrétise à travers plusieurs appuis tels que le renforcement du plateau technique avec la remise au ministère de la Santé de près de 60 000 kits de PCR, d'équipements de soins d'urgence et de réanimation, d'équipements et de réactifs de laboratoire, du matériel de surveillance et des cas hospitalisés, la formation des personnels de laboratoire, la remise d'un lot de 3 000 m3 d'oxygène permettant de remplir plus de 400 bonbonnes de 7 m3 à destination des centres de traitement pour la prise en charge des cas les plus graves de COVID-19, sans oublier la réhabilitation du centre de santé de Tchatchegou pour la prise en charge des épidémies dans le département des Collines. J'ai personnellement réceptionné un important dispositif de lavage de mains et à travers ces activités que je souhaite pérenniser, je pense qu'avec l'appui des uns et des autres dans la complémentarité, il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas nous rassurer d'une meilleure prévention contre la COVID-19 dans notre département, le département des Collines, et dans ma commune d'Assazoumé en particulier. Grâce à l'appui du projet Équité sur financement de l'Agence française de développement, l'accompagnement de la France à la riposte nationale au COVID-19 au Bénin a été concrétisé. Au total, 28 000 ménages du département des Collines ont été directement touchés par la mobilisation communautaire initiée dans le cadre de la prévention de la COVID-19 avec prise en compte du genre. De plus, les équipements acquis et remis au ministère de la Santé ont été répartis dans les différents centres de prise en charge de la COVID-19 du pays. Au-delà de leur utilisation dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19, ils bénéficieront au système de santé et ainsi à l'ensemble des populations.